Yeah, ça y est, on est parti, on est parti, on est lancé. Ok, je vais regarder ici ce qu'il y a. Voilà, je suis comme ça. Un petit peu de sound. Partage. Très très rapide, petit partage pour savoir. Ici je vais, là je vais. Christophe. Oh, mais je me fais pas d'illusions, il y en a déjà un ou deux qui sont connectés. Eh oui, c'est le dernier jour du challenge. Christophe est en direct à l'instant. Ah non. Si. Il y a déjà deux connectés. Alors attends, je partage vite fait. Voilà. Hop, partager, 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 partager sur un groupe. Tu sais que tu bosses chez Orange quand la matinale. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, hein. Donc, voilà quoi. Il faut se booster, il faut s'auto-booster. Bon, déjà, savoir où je suis, hein? Tu crois que tu peux deviner où je suis? Essaye de modifier la truc pour essayer de taguer les agrumes qui n'ont pas été tagués. Si, ça y est, là, j'arrive. Ok. Voilà. Après, je modifierai. Ouais, c'est bon. C'est bizarre ça. J'arrive à taguer des gens maintenant alors que j'arrivais pas tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il y a des noms où je me suis trompé dans l'écriture. Ouais, comme là par exemple, je crois que là, je me suis méchamment trompé. Bon, mais c'est pas grave, je retrouverai après. Aujourd'hui, il y a quelques anniversaires, une petite dizaine tranquille. Il y a des jours comme ça, j'ai l'impression que c'est une période de l'année où les Françaises et les Français n'ont pas beaucoup fait d'enfants il y a quelques années. Enfin, c'est souvent comme ça. Voilà, modification terminée. Donc voilà, là j'ai tagué tout ce que je pouvais taguer. Sur le deuxième compte, je vais aller voir. Donc à la limite, c'est mieux que je coupe celui-là pour éviter de bouffer de la bande passante. Personne n'est rentré dans la room. Je vais quand même vérifier. Tac, oui, parce que la conf vidéo est toujours dispo. Ouais, tu le sais, tu le sais. Si tu veux venir dire quelque chose, n'hésite pas, on est là. On est là, on est là. Et puis si tu veux deviner où je suis, n'hésite pas. Vas-y, les paris sont lancés, hein. Je vais ensuite regarder sur les réponses qui est-ce qui a trouvé, qui est-ce qui est, on va dire, parmi ceux qui ont trouvé. Alors attends, là, je fais comment? Il faut que j'aille chercher la VDS. Non, c'est pas la VDS, c'est tu sais que tu bosses chez Orange quand? Tu sais que tu vas chez Orange quand? Voilà. Ensuite, je regarde où c'est que c'est diffusé. Bah, écoute, ouais, c'est diffusé là. Et qui sont ceux qui sont sur le deuxième groupe? Alors, j'ai Pascal et Dominique. Donc, je copie. C'est toute une magouille, mais c'est bien ça. Ça permet à la room de se remplir. Après, comme ça, quand je viens, j'ai beaucoup de gens à qui dire bienvenue. Alors, je rajoute joyeux anniversaire. J'explique, hein. Ah, c'est comme le j'ai un compte qui est plein, le deuxième compte qui a aussi du monde prend en charge tous les autres. Donc à chaque fois, des anniversaires, il y en a sur le premier compte, des gens qui le voient parce qu'ils sont tagués, et sur le deuxième compte, je suis obligé de taguer à la main, pas de faire à la main. Bon ben voilà, là je suis revenu à nouveau sur le direct. Salut à tous et à toutes. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Bonjour. Merci à ceux qui nous ont rejoints. On va savoir tout de suite qui c'est, qui sont ceux qui nous ont rejoints. Tac, 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 hop, Facebook. Et merci encore à Chantal. Hein, franchement, tous les jours, je te bénis depuis que je sais que. Ah oui, tiens, j'ai mis ça ce matin pour te mettre de bonne humeur. Une petite un smule que j'ai fait avec des artistes. Bon, hein, je ne l'ai pas rencontré. C'est sur Smule, voilà, il y a des artistes qui viennent pour faire des trucs. Voilà, le direct, il est là, donc je coupe le son. Et je coupe le son pour pas que ça foute la merde. Voilà, alors voilà, je regarde qui c'est qui est là. Ouais, non. Alors, j'ai ma nono. Ma nono, coucou. premier, c'est par en bas? Non, par en bas ou par en haut? Il y a Cathy, salut Cathy. Il y a Bubu, bien sûr. Il y a Nono, il y a Jeanne, c'est par en dessous. Voilà, c'est dans le sens, c'est par en bas. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, j'ai un truc dis donc, je vois. C'est à 9h30 et j'espère que je suis pas loin. Donc, si c'est dans l'autre sens, j'aime Christophe, elle est trop belle Angoune. C'est vrai que moi, j'adore, j'adore. Ça, c'est tout à fait mon style.
une belle brune comme ça, c'est top quoi. En plus, elle a l'air d'être gentille. Je sais pas, j'ai vu des interviews d'elle, elle est vachement gentille. En tout cas là sur le truc. Bon, écoute Nono, voilà, a priori comme ça, hein, je veux pas trop m'avancer. Ce serait toi qui serais la première à t'être connectée aujourd'hui. Voilà, ce serait toi, c'est marqué. Donc bah, tout est relancé hein, parce que ça va être chaud parce que je crois qu'hier on était à égalité. Donc il y avait Didouné, Yann qui était à égalité avec Bubu. Il faudra que je regarde ça tout à l'heure, mais ben voilà quoi, on serait comme ça. Salut Ludovic, salut Oli, Oli Naïd qui nous a rejoint. Je trouve que c'est ah oui, d'accord. J'allais dire c'est bizarre. Je vois peu de commentaires au regard de ce qui m'annonce. Il m'annonce 18 personnes connectées et je vois peu de commentaires. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui sont connectés, qui regardent. Salut Akram de Casa, tu me confirmes, hein, c'est bien de Casa hein, que tu es. Hein. Voilà. Salut Toto. Toto Guillaume, Anthony qui nous a rejoint. Alors, il y a des gens qui rejoignent. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ici que les gens qui regardent sont marqués. Là, je ne peux pas voir plus. Donc, je suis aujourd'hui très loin de mon endroit habituel. Comme disait quelqu'un, je suis sorti de ma zone de confort. J'adore ça. J'adore sortir de ma zone de confort pour venir bah, rencontrer des agrumes et puis faire des petits passages dans des endroits où j'irai peut-être plus jamais, mais enfin bon, bah c'est ça, c'est la vie. Oh. Personne n'a dit là, personne n'a tenté de dire où j'étais, hein. Oui, c'est bien ça de Casa, ouais, bon alors Casa, super, super ça. Salut Martine qui nous a rejoint. Alors je peux te dire que là où je suis, ce matin quand je suis sorti de la maison, je suis sorti très tôt. Tu veux une idée un petit peu pour être ici et faire la matinale à cette heure-ci. Je suis parti de la maison, il était 5 h du matin, enfin 5 h 30 du matin. Voilà, ça te donne une piste un petit peu. Voilà. Et je te dirai pas si j'étais dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest. Mais bon, voilà, il faut deviner. Alors, c'est où les niveaux? Ouais, c'est bien. Nono, c'est bien toi, hein, la première. Tu es trop forte. Tu es trop forte, ma Nono. Ça me fait tellement plaisir. Bon, je rappelle aux autres que Nono, c'est ma voix, c'est la voix qui me calme. Voilà, c'est qui me tranquillise. D'ailleurs, il va falloir que tu me lises un livre. Je t'enverrai le texte que tu dois me lire pour que je me mette ça dans mon iPhone pour m'endormir le soir. Voilà. Donc, qui attendait sa chance pour dire salut Aziz. Aziz est là aussi. Marie-Pierre, yeah, oui, je suis dans un couloir, c'est ça. Salut Marie-Claude. Oui, alors aujourd'hui c'est Halloween, c'est vrai. Donc je me suis même pas déguisé en Halloween et j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je réfléchissais, je me suis dit j'ai été vraiment en dessous de tout. Je me suis même pas dit on va faire une bannière spéciale Halloween. Hein, Sandra, je sais pas si tu es là, Sandra, on est vraiment passé à côté de ça. Le froid sans doute. Ça va mieux, mais pas encore top. C'est le froid sans doute. Salut le papio. Donc personne? Ok, merci Nono. Sylvain qui nous a rejoint. Nicolas Blondel qui est là. Morgane Lebert. Coco. Ah, Coco. Coco TWK. J'aime bien quand je trouve des. Attends, si je mets comme ça, on a l'impression que je regarde la caméra. J'aime bien quand je trouve des. Comment ça s'appelle? Ah, il y a quelqu'un qui rentre dans le truc? Non. Quand je trouve des pseudos que je connais. Voilà, je sais pas si on se connaît vraiment dans la vie, mais quand je vois des pseudos, il y a Edgar Cra qui nous a rejoint. Bon, personne ne tente sa chance hein, pour savoir où je suis, Gauthier. Pourtant, c'est facile, il n'y a pas la. Ah oui, il n'y a pas la géoloc. D'accord. Si je te montre la fenêtre, ça t'aide? Allez, je vais faire une tentative. Alors, il faut que je tourne ça, il ne faut pas que je fasse de conneries, que je ne monte pas de trucs. Voilà, ça sert. Ah, il y a quand même un nom là qui peut peut-être. Donc là, je te montre. Voilà, hop, vite fait, je passe. Voilà. Et là, ouf, je sais pas si on va voir dans la fenêtre. Non, c'est dommage, on voit pas les bâtiments à l'extérieur. Il y a trop de soleil. En tout cas, il y a beaucoup de soleil. Et je t'ai donné une indication, c'est que. Attends, si je fais ça, peut-être tu vois plus. Il y a certains à qui ça va peut-être plus parler, quoi, que tu me diras, il n'y a pas plus couloir qu'un couloir, hein. C'est vrai. Bon, ben voilà. Là, c'est vraiment tout ce que je peux te montrer. J'allais dire, je vais là-bas pour savoir. Attends. Non, mais il y a un truc pour savoir. Personne ne me suit. Moi, je l'ai ça. Attends, je vais faire un truc tout bête, tout con. Tu vas sur Facebook, hein, même sur Facebook, c'est possible. Sur Facebook, et tu dis amis à proximité. Je vais te dire qui sont les amis à proximité. Coucou la famille. Ah,
Évangeline Lily qui dit que je suis à Metz sur le plateau SAV au pot. Une super animation pour Halloween. Ben non, c'est, je ne suis pas parce que tu vois, il n'y a pas l'animation Halloween. Donc, je ne peux pas être là-bas. Il faut que j'enlève le Wi-Fi là-dessus parce qu'il m'emmerde. Entre parenthèses, ce matin, j'essaie de me connecter. Donc là, je suis connecté en 4G. Hein. Powered by 4G Orange, hein, comme d'habitude. C'est toujours la 4G qui est à l'honneur. Et là, je voudrais juste. Ouais, ce matin, dans ce bâtiment Orange, qui est quand même relativement grand, je dois avoir 5 ou 6 étages. Et ben, le premier réseau Wi-Fi que j'avais, c'était une Freebox. Ça énerve pas un petit peu, quoi. Ah, Marilou. Tiens, je suis super content. Il y a Marilou et Cindy, qui sont de la Run, qui ont posté une image où elles partent à Saint-Pierre. Bon, je suis content. Je suis toujours content d'avoir des nouvelles des amis. Allez, hop, je fais. C'est ici qu'il faut aller chercher. Amis à proximité. Voilà. Si je te dis quels sont les amis à proximité, il y a quelqu'un qui m'a dit bienvenue à Aura. Aura, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne peux pas te dire si j'y suis ou j'y suis pas. Ah, définir la localisation. Ah, dis donc, j'avais bloqué la toucher réglage, localisation, appuyer toujours, paramètres. Localisation, localisation, réglage. Position, voilà, ouais. Ah ouais, je vois, j'avais désactivé la localisation parce qu'on m'avait dit que c'était un truc qui bouffait de la batterie. Mais, de toute façon, c'est pas pour ça que ça économise là. Je me promène tout le temps avec ma batterie maintenant. Ok, je sors de là. Donc là, maintenant, je vais être géolocalisé. Ah! Ah ouais, c'est. Viens, 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 viens le dire. C'est toi qui l'a écrit? Voilà. Alors, il m'a dit, est-ce que c'était Aura? Et c'est lui, comment c'est ton nom? Cyril. Ben, c'est Cyril. Donc Cyril qui l'a dit, il est là. Cyril, on fera un selfie tout à l'heure. Petit gogo, Non, ouais. non, non, mais on fera un selfie tout de suite parce que je sens que tu vas aller bosser. Allez. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. J'espère que tu as suivi, hein. J'espère qu'il y en a qui ont suivi. Salut Hélène, salut Jean-Michel, Nicole, Evangeline, c'est simplement pour donner les infos. Evangeline, j'adore ton prénom, Evangeline. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais en tout cas, j'ai adoré une série sur. Ouf, je ne sais même plus sur quoi c'était. Netflix existait-il à l'époque? C'était une série canadienne. Et donc Cyril a donné, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc je suis à Auvergne-Rhône-Alpes. C'est déjà bien. Je continue mon truc. Je fais ami à proximité. Donc à côté de moi, tiens, je vais leur faire des coucous. Il y a mon Anou. Hello, je fais un petit hello à mon Anou. Elle va dire, ah, le salopard, il n'est pas loin, il ne vient pas me voir. Il y a Carole Lecou, à qui je fais aussi un petit coucou. Ça marche ou ça marche pas le coucou là? C'est chaud. Et il y a Benoît Marconnet. Voilà, ça ce sont les trois personnes qui sont à côté de moi. Voilà. Bienvenue à l'agence Aura. Ouais, donc effectivement, je suis à l'agence Aura. Allez, on va dire carrément, je suis à Lyon. Je suis à Lyon pour la journée. Évangeline, tu vois de quoi je veux parler, Évangeline. C'était une série canadienne. C'est une série canadienne. Et Évangeline, magnifique actrice canadienne, avec son mec, c'était un bûcheron d'une grande famille. Enfin bon, bref. Non, non, je suis pas Bachu. Attends, Martine, si j'étais à Bachu, tu penses bien que j'aurais fait la matinale avec Anou. Hein, ou au moins avec, tu sais qu'à Bachu, voilà, je cherchais le nom hier avec un collègue, il y a une amie de Smule. En fait, Smule, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où je vais chanter, genre karaoké à plusieurs. Il y a une amie de Smule avec qui j'ai chanté beaucoup. Et l'autre jour, je regardais mes selfies du haut, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vois une tête qui ressemble à quelqu'un avec qui je chante. Je vais regarder les enregistrements. Je dis, mais c'est la même personne. En fait, j'ai retrouvé quelqu'un sur Smule avec que j'avais déjà rencontré. Et c'était sur Bachu que j'avais. Sauf que, bah, tu vois, le fait d'avoir des pseudos différents à gauche et à droite, ça m'avait pas tapé l'œil. Sur Facebook, je sais pas comment s'appelle cette collègue. D'ailleurs, ça m'ennuie parce que j'aurais bien été lui faire la surprise. Mais aujourd'hui, quoi. Mais salut Akram, bonne journée à toi.
Mais là, voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'elle est de la Run, de la Réunion, 974. Bon, voilà. En fait, ce qui m'avait attiré sur le profil Smooth, c'était que c'est marqué 974. Je me suis dit, bon, ben, on va aller voir. J'ai écouté, et puis voilà. Et puis, j'ai rechanté une chanson hier ou avant-hier avec. En fait, c'est le truc qui me détend. Moi, j'adore. Salut, Luc. Ça parle EBLC. Ah, t'as entendu ça, Elisa? Toi, t'es trop forte. T'es trop forte. Ah, c'est incroyable, tu vois. Quand on dit qu'il faut faire gaffe avec la sécurité, que tu mettes une photo, on peut aller agrandir le petit détail, tu sais, pour aller regarder qu'est-ce qui est marqué ici, exactement, bien au fond. Mais même sur les paroles, les conversations qu'il y a autour. Bon, en plus, il faut dire une chose, hein, c'est que ce casque est super bon pour écouter de la musique. Par contre, en prise de son comme ça, honnêtement, je trouve qu'il prend plein de choses autour. Heureusement que le Mac fait un petit peu de tri et que quand tu parles, il baisse un peu les trucs autour. Mais je trouve que par rapport comment dirais-je, au casque du iPhone, il est vachement, il est pas bon. Et il faut que je trouve quelque chose pour vraiment avoir le son que je veux. Bon, déjà, j'aimerais ne pas avoir que j'ai une oreillette pour entendre quand quelqu'un rentre dans la room, c'est une chose. Mais je pourrais ne pas avoir de micro, ça m'arrangeait quand même un petit peu, parce que franchement, c'est pas très bon. Donc, Luc, tu vois, toi qui es un peu le veilleur, on va dire, de ces côtés-là, je cherche un micro qui soit un peu plus efficace en prise de son, comme ça, direct. Comme je n'ai qu'une, là, en face, là, c'est une caméra, une Logitech 4K, je peux pas mettre ah, voici, remarque, elle a un micro, la caméra, mais je suis pas certain, il faudra que je fasse un test. D'ailleurs, pourquoi je ne le ferai pas tout de suite? Je crois que je ne peux pas changer de micro en cours. Navré, je ne connais pas la série. En revanche, l'actrice Evangeline Lilly a joué dans Lost. Ben voilà, dans Lost, ben déjà, ça suffit. Elle est disparue. Elle a joué. Non, c'est vrai. Lost, bien sûr. D'ailleurs, je suis en train de faire une confusion. L'actrice Evangeline Lilly a joué dans Lost. Elle n'a pas pu jouer dans le truc canadien. Par contre, c'est l'actrice canadienne dans le rôle. Elle s'appelait Evangeline. C'est pour ça que le prénom m'a tapé sur le truc. Ah ben oui, c'est sûr. Dans Lost, je vois qui c'est. J'ai revu récemment dans une autre série et tout. Je me suis dit pourquoi j'aime tant la série. Ben c'est parce qu'elle était là. Salut Fabien, salut Caroline. Caroline NB, ça veut dire quoi? Bah écoute, Elisa, je suis à Gambetta et je pense que je suis au premier étage. Ah, salut mon bibu. Mon bubu. Ah, voilà, là t'es plus habillé, ça me plaît plus déjà. Ah, ouais, ça caille, il fait Si, 3 si, degrés. si. Oui, c'est déjà, bah oui, à 3 degrés, à 3 degrés, tu serais moins fier d'être un poil dehors. Non, je serais tout bleu. Tu serais tout bleu, ouais. Tu Par serais contre, tout bleu. Ouais. Tu vas bien aujourd'hui? je suis en week-end ce soir pour 5 jours. La vie est belle. Ah oui, ben toi, tu fais partie de ceux qui ont réfléchi au début de l'année et qui ont posé. C'est bien. Non, j'ai posé il n'y a pas longtemps, mais 2 jours égale 5, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est top. C'est top. En plus, comme c'est les vacances, voilà quoi. On Voilà, en on va profite. profiter des lots. Paris Exactement. est un petit peu plus calme. Il y a Cathy. Et Cathy, t'as vraiment un truc avec Cathy. Hein. Cathy, elle dit, ah, il y a Bubu, pas à poil. Tu t'es fait une réputation, mon ami. Tu t'es fait une réputation. Ouais, Tu t'es fait une réputation. Mais tu sais, c'est le seul truc qui n'est pas pourquoi taxé tu. aujourd'hui, le rire. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu lui fais pas des photos dédicacées et que tu lui envoies? Ben ça, Ah, tu sais pas, écoute. là, t'as déjà reçu des photos, hein. Ah, ben voilà. Non, mais c'est ça. Moi, je fais ça comme ça. Hein. Salut, Pauli. Ouais, t'as raison. T'as des dents à payer. T'inquiète pas. Je comprends tout à fait. Café, clope, égo. Et puis les clopes à payer, et puis l'iPhone X, ça aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai même pas fait les anniversaires avec tout ça. Faut que je retourne sur le poste pour voir ce qui se dit. Mince. Je sais pas où sont les anniversaires. Faut que je Bah retourne là. sinon, bravo, Nora, c'est les premières. Tu sais que t'es pas premier aujourd'hui, hein? Défi. C'est Nono. Il Ça, faut que je vérifie, mais c'est Nono. En vérifie fait, parce que je suis quasi certain il que faut si je remarquer suis un pas truc. premier, pour les quelques centièmes. Ah oui, Parce ça que se joue souvent à quelques centièmes. dès que tu t'es connecté, j'ai mis le petit mot et j'ai vu Nora, moi, sur mon listing juste après. Mais bon, c'est pas grave, si c'est Nora, je la laisse passer. Après, voilà, ça se joue à quelques trucs. Bon, c'est dommage parce que si tu avais été premier, je pense que c'était sûr que c'était toi. Là, maintenant, il va falloir que j'aille chercher d'autres critères pour vous départager parce que je crois que tu es à égalité avec le Didounet. Le Didounet, que ça fait quand même une semaine qu'il est en vacances et qu'il joue pas. Il doit pas avoir de réseau ou alors il a décidé de se déconnecter, de se consacrer à la Didounette.
Voilà. Ce que je comprends Mais tout à je fait ne en sais même pas si temps. tu as. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu sais que maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tard dans la journée, je mets dans le replay, enfin, je mets tout en haut de la description ou dans un commentaire qui a été le premier de la journée. Comme Depuis ça. 2, 3 jours. Avec le temps. Pardon? Ouais. Le temps. C'est bien. Exactement. Exactement. Je donnerai le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais te couper le son parce que tu as du parasite autour de toi. Et le temps que je donne les anniversaires du jour. Alors, je suis sur ça, c'est pas bon. Je voulais prendre sur le iPhone me sert bien aujourd'hui, même s'il déconne, il me sert bien. Hop, je fais comme ça. Ouais, Elisa, tu as raison, je suis à Lyon, Gambetta, et je suis. J'allais dire, est-ce que je suis SCE? SCE, et tu m'as dit quoi? AE ou SCE? Je ne sais pas. Si quelqu'un passe, je lui demanderai où je suis. Parce qu'en fait, je suis venu m'installer là comme ça. J'ai montré patte blanche et puis je suis rentré. Personne ne me connaît ici. Bah, si, à part le collègue qui est venu tout à l'heure. Alors, où sont ces anniversaires? Là? Oui, non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bon que je sois là. Le monsieur qui s'inquiète parce qu'il dit que je parle dans le couloir, je pourrais aller dans une salle de réunion. C'est vrai, mais j'aime bien les couloirs. Le couloir, ça fait très. Ça fait mojo. C'est ce que c'est le mojo? Bon, Elisa, je crois que c'est toi qui as gagné le t'as rien gagné du tout, mais enfin, c'est toi qui as trouvé le bon truc. Parce que Cédric qui a dit Aura. Remarque, tu me diras, il a aussi été perspicace parce que bon, ben, son bureau est tout à côté. Il dit, ah, toi, tu dois être là. Donc aujourd'hui, c'est mardi, ouais, sous le soleil, ben, je te l'ai dit. Je ne sais pas si à Paris, il y a du soleil. Bibu, confirme-moi, il y a du soleil à Paris? Paix Oh, ou il fait très Gâtesse? très très Il fait très beau. Ok, c'est super. Donc bon, il y a du soleil partout. Et en tout cas, ici à Lyon, il y a aussi du soleil. Joyeux anniversaire à Antoine Sieracossi, à Marie Nouis, à Ziane Grini, à Julie, à Drike ATKS Jasmine. Oh, punaise, il y a de ces pseudos, c'est quelque chose. Véro Étienne, Antoine Lejeune, Anne Desgardins, Raphaël Iozo, Iozo, ouais. Thomas Leguet, Thierry Coustex, Pascal Zozor et Dominique Frédier-Dubreuil. Voilà, bis et bulles les amis. Et une petite pensée pour Malulu. Malulu qui est toujours alitée, enfin peut-être pas alitée, mais qui est toujours en convalescence. Bah, juste pour lui dire bah, courage, hein, voilà quoi, ça va passer, tu verras, ça va passer. Et les grandes gueules, on les laisse parler. Hein, voilà. oui, je t'ai tagué, c'est normal. Je te tague parce que je sais que toi, tu comprends mes vandameries. salut Gina qui nous a rejoint. Arnaud El Sayed qui nous a rejoint aussi. Il y a Cathy qui est là. Mais oui, Cathy. Gina, bah, tu connais Lyon Gambetta, bah, viens me rejoindre, je suis au premier étage. Franchement, j'aimerais bien savoir. Bonjour monsieur. J'aimerais bien savoir. Je crois que c'est marqué là devant les trucs. Où est-ce que je suis? Donc voilà. Salut Anne-Laure. Tous les sourires. Alors Anne-Laure, que je t'explique, Anne-Laure, GDT, Général de téléphone. Parce que tu sais comment Général de téléphone, ça me tient à cœur. Et là, j'ai piqué hier un petit hashtag qui traîne sur Twitter, c'est tous les sourires de GDT. Et moi, j'ai mis tous les sourires des agrumes, tous les sourires des agrumes. J'adore cette petite phrase, ce petit truc qui, ça nous définit bien. Enfin, j'aimerais que ça nous définisse bien, parce que chez les agrumes, comme je disais, je sais plus à qui hier, il y a quand même des grincheux. Il y a des grincheux. Bon, c'est comme la famille. Hein. Je vais pas te faire de vandamerie sur la famille, mais tu sais, hein, il y a toujours dans une famille des gens qui rigolent et puis d'autres qui cherchent la misère. Ouais, petit rappel. J'ai pas la feuille là sous les yeux, mais je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, recommencent à recevoir les codes pour le vote. Tu sais, le vote qui démarre le 7 au matin, 7 h, 7 à 7 h, mardi 7 novembre à 7 h. C'est bien. Donc, pour éviter de tout paumer, je te conseille de déchirer le bas, enfin, de couper délicatement le bas de ta feuille. Là, il y a les codes, de la plier délicatement et de te la mettre dans ton porte-monnaie, dans votre portefeuille. D'accord? Là, c'est au cas où si tu es, voilà, quoi, tu es comme ma grand-mère, un petit peu machin. Mais sinon, tu peux faire une chose très bête et toute conne, hein, qui est très efficace. Tu prends une photo de tes codes, hein, Bubu, tu penses à ça. Tu prends une photo de tes codes et tu les mets bien au chaud. Parce que on s'est rendu compte d'une chose, plus vite arrivent les codes, c'est-à-dire que là, on est à une semaine du vote, et plus tu as des chances de les paumer. Oui, je sais. Tu vas me dire, non, non, c'est important, je les mets de côté. Garde-les bien précieusement, ces codes,
qui vont te servir à faire les trois votes. Voilà, exact, Bibu. Tu nous mets les représentants du personnel. Ça, voilà. Ça, on peut le dire. On peut le dire, du temps qu'on ne rentre pas dans les détails. Voilà. Code, mettre de côté, vote, le 7. Voilà. Ça, c'est mon dada. Ah, voilà, je pousse, je pousse, je pousse. Merde, je n'ai pas regardé qui dit quoi. Jeanne, c'est bon, tu as tes codes. Jeanne, c'est bien. On fera le point de toute façon jeudi pour ceux qui ne les auront pas reçus avec la hotline. Salut Julie qui nous rejoint. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Vince qui est arrivé. Merci Lulu, t'es adorable. Ben, toi aussi, t'es adorable. Voilà. Laetitia. Mastou, j'ai vu que t'avais créé ton compte Smule. Mastou, tout va bien. Tout va bien. Tu sais que tu peux aller chanter toute seule dans la forêt? Ça serait bien. Ça te représenterait bien. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai pensé la même. Qu'est-ce que Cathy a dit? Cathy a dit quoi? Et Jeanne a dit, j'ai pensé la même. Dis donc, il faut que je remonte vite fait là-dedans. Remarque, je suis peut-être à. Ah oui, il faut rappeler l'after bowling. Très bien. Il y a deux afters qui sont là, très, très, très vite, qui arrivent très vite parce que. On a l'impression que c'est loin, mais c'est très vite. C'est l'after bowling, celui de Marie Titi. Tu sais, Marie Titi, c'est le event planner de Paris, de Paname, tu vois, celle qui nous réfléchit nos petits endroits où on va se rencontrer. Et là, très bonne idée, après le karaoké, maintenant, c'est le bowling. Le bowling, c'est le mercredi 22. Je crois que c'est à partir de 19h30 ou 20h. C'est rue Mouffetard, dans le bowling de rue Mouffetard. Il y a une, attention, il y a une litchi. Qui se termine le 10 novembre, hein, c'est-à-dire quand même 12 jours avant l'after. Et donc, c'est 15 euros. Hein. Tu n'hésites pas à aller t'inscrire, mon ami. C'est très important. 2 jours après, on a l'after de Tarbes. Tarbes, c'est en bas avec les girls, Mastou, Sandra, Martine, et j'en passe. Et je crois que Chantal qui m'a expliqué ça, elle est de là-bas. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Il n'y a pas de litchi pour Tarbes parce que une fois que tu es à Tarbes, une fois que tu es dans le restaurant, si tu payes pas, on te bloque, tu sors pas. À Paris, c'est plus facile de s'évader. Bonjour. Ah, ben, quelqu'un qui connaît bien. J'adore, en direct. Bonjour. Oh, j'ai essayé de partir avec le câble. Hop. Alors, ben, donc, je suppose que tu es une agrume. Oui, sur Plaza principalement. Ah, une agrume sur Plaza. Il y en avait une sur Plaza, c'est elle. C'est top, c'est top. Non, j'ai enlevé un peu sur Facebook parce que j'avais Ah, trop de mais tu choses. sais que tu Ouais. peux faire un compte particulier, un Non, compte mais sur pro. Plaza, C'est bien ça me aussi. va. Ah, mais il Ouais. y a moins de choses. Il n'y a pas la Ouais. matinale. Bah À bientôt, oui. bientôt. Ouais. Bon. Donc, tu es sur Lyon aujourd'hui. Oui, je suis sur Lyon toute la journée. D'accord. Bon, bah, bonne journée. Merci. Voilà, bah, tu vois, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que j'aime ça. C'est-à-dire que c'est voilà quoi, c'est improvisé complètement. Donc voilà. T'as vu qu'il y a quand même des gens qui sont sur Plaza? Ah non, mais on dit. Et j'ai remarqué qu'en général, les gens qui étaient sur Plaza n'étaient pas forcément sur Facebook. Ce qui fait que ben voilà. Donc on veut peut-être un peu séparer les trucs. C'est très bien. Je n'ai pas demandé son nom. Oh, bon. Ouais, je t'ai peut-être donné un scoop là, mine de rien. J'ai dit que bientôt le live est sur Plaza. Et oui. Parce que tu sais que mes ingénieurs, les ingénieurs de tu sais que tu bosses chez Orange Caen, réfléchissent toute la journée à des solutions nouvelles. Bon, là, c'est la phrase que je livre. En fait, c'est moi seul qui guigne. Bon, maintenant, de temps en temps, il y a Luc qui me donne un coup de main et puis voilà, on teste des choses. En fait, ce que j'aimerais, c'est faire la matinale aussi sur Plaza. Mais avec une seule prise, tu vois, pas être obligé d'avoir deux caméras, sinon on s'en sort pas. Comment t'expliquer, là? Si tu veux regarder, là, je suis installé dans un coin, je prends quoi? 1 mètre à tout casser. Avec mon pied, la cam, le Mac, le iPhone, le iPhone qui sert plus à grand chose parce que comme il est tellement lent, et le iPad qui me sert, grâce à Chantal, je ne le répéterai jamais assez, à regarder qu'est-ce que tu dis. Et j'aimerais bien. Salut Amar, j'ai bien aimé hein, ce que tu as écrit, le petit texte que tu as écrit. Je comptais le déclamer dans une matinale. Le seul truc, c'est que là, comme je suis un peu dehors, je suis pas à mon aise, j'ai pas tous mes trucs autour de moi. Et comme je suis un peu, je vois pas très bien, je le ferai tiens, ce week-end, tranquille. Peut-être même à la auto-ingénieur, ouais, c'est vrai. Auto-ingénieur. Cathy, je sais pas, t'as toujours pas repris le boulot, tu es toujours en convalescence. Salut Jean-Michel Delarune qui est dans les cartons parce qu'il retourne, il revient en métropole, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Venez faire la fête avec nous, Vincent, machin, Amar, bonjour. Étoile filante, ah, étoile filante, et toile filante. J'aimerais bien, étoile filante, que tu viennes parler dans la room qu'on voit. Parce que pour l'instant, ce qui confirme d'ailleurs ce qu'on s'est dit, la visio et la 3G existent en France depuis un moment. Je me souviens que c'est vraiment au moment. La 3G est sortie en 2004, je crois. Ça, c'est à l'époque où j'étais en boutique. Je suis arrivé en boutique en même temps que la 3G. Avec l'avènement de la 3G et des premiers téléphones visio, on s'était dit, ouais, ça va tout déchirer sa mère. Rappelle-toi, on avait les visiophones qu'on vendait par deux. Et finalement, ça n'a pas pris, hein. La visio n'a pas pris. Et on se rend compte, en fait, que les gens sont plus accros au texte, hein, donc au SMS et au WhatsApp, tous ces trucs-là, ça y va. Oh, le WhatsApp des modérateurs, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ils sont pas nombreux dessus, mais des fois, ils sont trois ou quatre, et tu arrives le matin, ils se sont fait 500 messages dans la nuit. Surtout quand il y avait de l'amour et dans le pré. Et donc, je pourrais revenir à ça, la visio n'a pas tellement pris. Là, par exemple, on a une salle de conférence vidéo où tout le monde peut rentrer. Bon, les modos arrivent de temps en temps, et d'ailleurs, on est en train de se dire qu'on va organiser des petites sessions avec les uns et les autres. Il y a eu Ludivine et Serge qui sont venus pour parler des ambassadeurs. Il y a eu Patrice Brunet qui est venu parler de super codeurs. On va faire des petits trucs comme ça où les gens viendront. Et puis, finalement, bon, à part Bubu, hein, qui a bien aimé nous montrer son anatomie, hein, enfin une partie de son anatomie. On a du mal à rentrer dans la room. Je rappelle, hein, il faut installer Blue Jeans et puis voilà, il y a les codes et puis tu viens quoi, tu viens avec nous, on s'amuse. Bon, ça viendra peut-être, hein. Tout ça, c'est une question de temps. Toujours en convalescence. Bah, Cathy, je t'ajoute à la liste des gens, voilà que voilà, je suis avec toi. Je sais pas, voilà, je suis avec toi, je te fais de gros gros bisous. Et puis, je souhaite que ça revienne très très vite. Salut Sylvia. Sylvia est dans la place. Qui c'est qu'il y a d'autre de nouveau? Ah, il y a Didounet, tu sais que t'es. Didounet, tu laisses passer ton tour, hein. T'es pas loin de gagner le challenge. Je sais pas si. Voilà, t'es ex aequo, mais ça fait, je sais pas, une semaine que tu te consacres à la Didounette. Je te demande pas beaucoup, un petit peu le matin, quoi. Hein? Voilà. Donc là, on est bon. Je regarde un petit peu qui c'est qu'il y a. Voilà. Ok. Ah, il y a Oriane qui est là. Salut, Oriane. Il y a Oriane. Bah oui, il y a le papio qui est pas loin, donc il y a Oriane pas loin. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Non, 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 ils ont fait leur coming out, c'est tout. Ils ont fait leur coming out. Moi, je rigole, hein, parce que, tu vois, tout ça, moi, ça me fait super plaisir. De savoir qu'il y a des petits couples qui se forment. Bon, au départ, c'était pas le but, mais après, c'est. Pourquoi je dis d'ailleurs des petits couples, des couples tout court? Non, je dis ça parce que petit, quand tu vois le Didounet, la Didounette, c'est pas petit, hein. C'est des vrais hommes et de vraies femmes. Mais je trouve ça super parce que, en fait, c'est grâce à, tu sais que tu bosses chez Orange. Quand oui, je sais, tu vas dire, ce serait peut-être rencontré, mais peut-être pas. Ben, ils se seraient peut-être rencontrés ou pas. Bon, allez, j'ai des choses à faire aujourd'hui, hein. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et surtout, 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 n'hésite pas à être là demain. Alors demain, ce sera mercredi. Donc ce soir, Halloween, prends plein de bonbons pour distribuer aux petits qui vont venir sonner chez toi. Ne les jette pas. Ne les jette pas. Moi, j'ai acheté un truc d'un kilo. Et il y a ma fille qui a dit, viens, on prend un paquet de bonbons poivrés. Comme ça, on va en glisser à chacun. Elle a mauvais. Je lui ai dit, toi aussi, tu vas y aller, tu vas voir, on va te donner pareil. Non, donc ce soir, distribution des bonbons, Halloween, fais attention, reste bien, bien au chaud. Ouais. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Demain matin, normalement, j'aurai le nom du gagnant du palmarès. Enfin, pas du palmarès. Ah oui, mais il y a le palmarès aussi. Ah non, je ne vais pas avoir le temps. Je ne vais pas avoir le temps de faire le palmarès. Palmarès, je ferai plus tard. Ouais, parce que c'est le palmarès d'octobre qui va se dessiner à l'horizon. Bah, tiens, je le mettrai peut-être dans la VDS, le palmarès. Voilà, ça me donne du sujet. Mais demain, tu auras le nom du gagnant ou de la gagnante de qui s'est connecté le plus rapidement sur toutes les matinales du mois d'octobre. Et on annoncera le. Bubu, il est dans les starting blocks. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu sais, les lévriers, là, tu sais. Est-ce que tu as déjà vu des lévriers quand ils sont avant de démarrer, là? C'est Bubu, là, il est là. Et il y a la terre qui pend, les oreilles qui sont comme ça.
Et la queue qui chasse. Enfin, bref. Donc, il y aura ça demain. Et puis, on va définir le challenge. Si vous avez des idées de challenge pour le mois d'après, toujours basé sur la matinale. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Fais gaffe à toi. On se donne rendez-vous demain entre 7 et 10. Bon, demain, c'est férié. Ça sera peut-être probablement plus proche de 10 que de 7. Allez, bise et belle.